Ah oui. Devant Dieu, les mânes, les ancêtres, la nation, et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, nous, Boni Yayi, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Nous vous donnons acte de la prestation de votre serment et vous renvoyons à l'exercice de votre mission. Et que Dieu vous garde. Là, je prends le privilège de vous embraser en priorité. Vous devez signer le serment. Non, on ne signe pas. C'est ça, lui vient raconter. Non. Je voudrais inviter Madame la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin à remettre au président de la République les attributs de grand maître de l'Ordre national du Bénin. Ouvrez le pas! De l'Ordre national du Bénin dit « Le président de la République, lors de la cérémonie de son investiture, est reconnu comme grand maître de l'Ordre national par le grand chancelier qui lui remet le collier en prononçant les mots suivants. Monsieur le président de la République, Dr Boni Yayi, nous, Docteur Osseni Kouborat, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national du Bénin.
français, le chef d'état-major général des forces armées béninoises, à venir saluer le président de la République, chef suprême des armées. Les autres sont souvent.